Nzambe pambona yo. Que Dieu te bénisse. Alingio mingi. Je t'aime beaucoup. Liloba moko na memeli yo lelo. Je t'ai amené une parole aujourd'hui. Avant que je puisse entrer dans ce qui est écrit dans la Bible, cette nuit, alors que je priais, Dieu m'a ouvert les yeux. Je vis quelque chose de terrible, d'effrayant. J'avais vu quelque chose d'effrayant. Je vis un pays comme une ville. Je vis comme une ville. Mais il y a eu un grand feu dans cette ville. Et le feu avait déjà tout consumé, les forêts étaient consumées. Je n'avais pas vu le feu, mais j'avais vu déjà la ville était déjà consumée. Et alors, et les arbres étaient calcinés, il n'y avait plus de feuilles, il y avait tout. Comment je peux expliquer? Il ne restait plus que... Il ne restait plus que des troncs sans branches et sans feuilles. Et ce qui était étonnant, c'est que partout par terre, il y avait du cendre, comme si on a fait des charbons de bois par là. Je vis ces arbres, ces troncs qui étaient calcinés, très noirs. Alors que j'ai regardé pour pouvoir percer dans cette vision, je vis parmi ces troncs qui étaient là un gros serpent et long et devenu vraiment tout noir comme de charbon de bois. Il était noir comme le charbon, et il rampait tout autour de ces arbres-là, et il était camouflé, donc on ne pouvait pas apercevoir sa présence du fait qu'elle était tout noire. Et je regardais pour voir, je demandais, mais c'est quoi cette chose qui bouge là? Je approchais cela et je voyais la chose. Je vis encore dans ce même moment, je vis un pigeon. Il n'était pas vraiment gros, mais il était vraiment... de belle apparence. Et pigeon a abîmé, je ne sais pas, de nulle part. Et ce pigeon est apparu de nulle part. Et venu se poser à un de ces troncs qui était là. En face de ce serpent. Je vis ce pigeon chasser le serpent. Il faisait comme ça avec son bec. Et le serpent a tourné, a rebroussé chemin. Plus ce serpent reculait, rebroussait le chemin, plus le pigeon avançait pour le chasser encore. Alors je tournais mon visage de l'autre côté. Je vis une personne apparaître. Habillé en raffia, avec des accoutrements de féticheurs. C'est alors que je suis sorti de ce rêve. La vision est partie. Cette vision m'a troublé. J'ai vraiment insisté auprès de Dieu pour que je puisse comprendre le sens de cette vision. Alors la pensée est venue dans le discernement. Un grand danger, vers nous, mais le Saint-Esprit à défendre.
La première chose, je voulais dire qu'il y avait un grand danger qui s'est levé déjà contre nous, mais le Saint-Esprit l'a chassé. Le Saint-Esprit a chassé diable. A chassé le diable. La Bible nous dit si le diable, ce qui diable a côté les mains, si le diable se lèvera comme un fleuve, le col à fleuve, le Saint-Esprit lui mettra en fuite. J'ai vu cela aujourd'hui. Alors Dieu me parle dans mon cœur. Il y a un grand risque. Un grand danger. Était dirigé vers l'Europe. Un grand danger. Un grand catastrophe. L'intelligence humaine allait être dépassée. Des hommes avaient planifié le mal. Parce que les diables s'étaient retrouvés en eux. Mais le Saint-Esprit a chassé. L'a chassé. Le Saint-Esprit a chassé le diable. Alléluia. Dieu est vivant. C'est que l'église. Et maintenant, la chose qui te reste à toi, l'église. D'apprendre à prier pour détruire la puissance des occultistes. Est-ce que vous m'avez entendu? Celui qui a des oreilles, qu'il entende. C'est que l'Esprit du Seigneur dit. Maintenant, je veux te dire ceci. T'en fais pas. Le matin va se lever. Le Seigneur t'a fait grâce de voir le premier soleil se lever en 2016. Je veux dire, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Et je te dirai, qu'est-ce que le Seigneur fera pour toi dans cette année 2016? Écoute bien. Qu'est-ce que Dieu attend venant de toi en 2016? Lorsque tu agiras, tu feras la chose que lui attend venir de toi. C'est après que je te dirai ce que lui fera pour toi aussi en 2016. Alléluia. Dieu est vivant. Une personne ouvre sa Bible. Que je commence d'abord par ce que le Seigneur attend de toi. Marc chapitre 11. Verset 12 à 14. Marc chapitre 11, verset 12 à 14. Le lendemain, Lobinayango, après qu'ils furent sortis de Bethanie, si manabango kobimana Bethanie, Jésus eut faim. Yesu ayokinzala. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, amoni na mosika nzete moko na figuier o ezalaki na makasa, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Akekuna po ete atala soki akoki kokutela komoko. Et s'en étant approché, bongo tango apusani, il ne trouva que des feuilles. Amoni kaka makasa ya pamba. Car ce n'était pas la saison des figues. Po ete ezalaki saison ya figue te. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Hein? Amen. L'année 2016. Que tes yeux voient ce que les oreilles ont entendu. Écoute-moi maintenant. De loin, Jésus a vu avec des feuilles. Il avait faim. Certainement, vraiment, il avait le corps, la chair. Parce qu'il arrivait même à avoir faim. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant.
Le Seigneur est bon. Lorsque le Seigneur a vu ce figuier de loin, la Bible dit il a espéré de trouver un fruit là-bas afin qu'il puisse manger. Mais arrivé là-bas, il est dit que cet arbre qui n'avait que de feuilles, il n'y avait point de fruits. Parce que c'était pas cette saison. Le Seigneur a maudit ce pauvre arbre, pourtant ce n'était pas sa saison. Est-ce que vous me suivez? Comment est-ce que je peux maudire une pauvre, une femme qui cherche à avoir des enfants et pourtant elle n'a pas d'homme et que je puisse la maudire? Mais pour qu'elle puisse avoir des enfants, Christ elle doit avoir maudire un homme. Et ça n'a saison en côté. Et botara n'a pas saison. Mais il y a une saison en côté à maudire. Et comment tant donc le Christ peut maudire un arbre qui n'a pas de fruits, qui ne se trouve pas dans sa saison et pourtant il devait avoir de fruits dans sa saison? Il a maudit ça. Pourquoi? Écoute d'abord cette première partie. Je veux te dire, na présence ya Seigneur des Seigneurs, dans la présence du présence Seigneur des Créateurs, dans la présence du Créateur, la loi existe à côté. Le loi n'existe plus. Notion de temps existe à côté. La notion de temps n'existe plus. Et répondra pas ya le roi des rois. Tout doit répondre selon du roi des désir rois. Selon ses pensées et ses est-ce désirs. Que est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que tu as compris quand même? Je dis, est-ce que tu as compris? Je dis encore, dans la présence du roi des rois, il y a le créateur. Dans la présence du créateur, toute créature, c'est que nous sommes sortis de lui. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, notion temps est à la caté. Alors la notion de temps n'a pas place. Que tu dis ce n'est pas ma saison. Dès qu'il s'élève devant toi, tu vas produire. Et singeli obota. Tout ce qu'il doit faire, sa joie. M'avez entendu? Je dis, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce qu'une personne m'a entendu? Lui, il n'est pas une créature. Mais il est le créateur. Ils ne sont pas deux. Dans l'univers. Dans l'univers. Il est le seul. Est-ce que vous m'écoutez? Regarde. Même si on t'a enlevé la matrice. Écoute-moi bien. Je connais ce Dieu-là. Lorsqu'il s'élève devant toi, la matrice répondra. La matrice répondra. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Dieu est vivant. Il a traversé le fleuve de Galilée. Il a rencontré un démoniaque de l'autre côté du fleuve. Quelqu'un qui était rempli de démons. C'était même pas un jour de délivrance. Lui, il passait son chemin. Il était en voyage. Face à face avec un démoniaque. Il s'est trouvé face à face avec un démoniaque. Alléluia. Dieu est vivant. Mais est-ce qu'il y a Nani? Il est le roi, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est vivant. J'aimais beaucoup une cantique dans mes adorations lorsque je priais. Qui est celui-là, Jésus? C'est Dieu. Qui est celui-là, Jésus? Il a marché sur le sol. Il est le Dieu. Qui est celui-là, Jésus? C'est Dieu. Lorsque tu chantes une telle cantique, si tu entres et en sortant, tu sortiras avec quelque chose. Qui est cet homme-là, Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia.
Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il marcha sur les eaux. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Job a lobi mis matoy na ngayo kaki omena monyo na mi. Job a dit mes oreilles ont entendu parler de toi mais maintenant je te vois avec mes yeux. Tika mis na biso emona yo na 2016. Éternel accorde que nos yeux te voient en 2016. Bon matoy na biso e yoki yo. Parce que nos oreilles t'ont entendu. Ils ont entendu que tu as fait ceci, tu as fait cela. Permets maintenant que nos yeux voient en nous-mêmes ce que toi tu as fait. Alléluia. Dieu est vivant. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Ouais. Et loko mokote et que qu'on résister na face ya oyo akela yango. Rien ne peut résister en face de créateur, de celui qui l'a créé. Abengaka à l'existence des choses qui n'existent pas. Il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Abengaka à l'existence. Il appelle à l'existence. Akoloba, Il peut dire, donne-moi le nom. Verda. Verda. Bien. Yaka. Ah, ton moni vide. Ici, on le voyait, on voit le vide. Mais dans, l'ibumnae, Verda, mais dans son ventre, Verda arrive, sorte. Que cette année, la clé qui est dans ta bouche, donne toi-même le nom à ton enfant. Et appelle cet enfant qui n'existe pas encore dans ta langue cette année. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La clé de cette année, je déclare que les stériles enfantent. Maintenant, toi-même, appelle ton enfant. Appelle ton miracle. Donne ça un nom. Appelle ton mari. Donne-lui un nom. Jésus s'est levé devant l'arbre. Il espérait trouver un fruit. Mais il n'a pas eu un fruit. L'avocat a dit, Maître, ce n'est pas sa saison. Il a regardé l'avocat. Saison ou saison T, ce qui n'a telemiwana, il faut répondre selon désir peut penser nanga. Que ce soit sa saison ou pas, lorsque je me tiens devant cet arbre, il doit répondre selon mon désir. Dieu ne s'était pas mis dans son usine pour fabriquer un poisson. Non, il a simplement déclaré une parole. Poisson de mer, sors, je veux te voir. La Bible dit que toutes sortes de poissons est bimi na mai. La Bible nous dit que toutes sortes de poissons sont apparus dans l'eau. Il regardait, on dit, tu es comme ça, dorade. Il regarde d'autres là. Des corangos déjà rouges et jaunes. Des poissons chats. Hein? Non, pas poisson chat. Poisson chat. Poisson clown. Poisson clown. Poisson chat, c'est autre chose. Ça, on mange. Mais on va passer comme clown. On va passer comme Nzela. Il avait qualifié ce poisson clown. Moi, je peux le qualifier de poisson à rayures. Ah oui. Alléluia. Dieu est vivant. Il a dit que toute espèce d'animaux dans la forêt apparaissent du néant. Et cela apparaissait venant du néant. Na
Crocodile et crocodile normalement il a répondu dit moi normalement j'habite le lieu aquatique mais j'apparais aussi dans la forêt. Et l'hippopotame avait commis une erreur aussi, il a apparu dans le zoo, il est allé directement, il est sorti, il est allé dans la forêt. Tout était dans la pensée de Dieu. Après la parole de Dieu a apparu après sa parole. Et les oiseaux. Toutes sortes d'oiseaux. Apparaître. Ont apparu. Lorsqu'il a dit que les oiseaux apparaissent. Alléluia. Mais comme il avait dit que l'homme soit. Que ça soit noir ou mundele. Que ça soit métis ou ndundu. Ou albinos. L'homme a apparu. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'une personne m'écoute? Est-ce qu'une personne m'a entendu? C'était un fig. Un figuier. Il fallait répondre à la pensée et à la volonté de Dieu. Il a fallu répondre à la pensée et à la volonté de Dieu. Dieu attend de toi. Parce que Sengi au Sengi a levé à Kosala. Parce que tu as demandé, il a dit qu'il va agir. Mais il dit pour cette année, 2016, Dieu dit qu'il attend quelque chose venant de toi. Dieu a faim. Dieu a soif. Dieu veut se vêtir. Il a besoin de quelque chose. Est-ce qu'une personne m'écoute? Il a besoin d'une louange. Il a besoin d'une adoration. Il a besoin du respect. Il a besoin de la crainte. Il a besoin qu'on puisse l'adorer. Il a besoin de quelque chose. Il attend cela venir de toi. Dieu a envie. Il veut voir que tu te lèves ici et que tu témoignes. Vous savez, le témoignage. Pour Dieu, c'est une adoration. Pour toi, c'est une arme que tu te sers pour frapper le diable. Est-ce qu'une personne m'écoute? Dieu attend de toi quelque chose. Et le komoko. Alléluia. Dieu est vivant. Tu penses que lorsque la mort viendra vers toi, tu vas lui répondre non, je ne suis pas encore vieux ou vieille. Il n'y a pas une réponse qui tienne devant la mort. Est-ce que vous m'avez entendu? Ne craignez rien, vous n'allez pas mourir. Nous sommes venus te communiquer la vie ici, dans l'église de Dieu vivant. Pour te montrer seulement. Juste pour te montrer, voilà pourquoi je te donne cet exemple. Ceux qui devant la mort, mon côté, quand vous refusez, si devant la mort, personne ne peut résister ou refuser pour prendre comme prétexte que mon enfant n'a pas encore grandi. Non, les factures que je n'ai pas encore fini de payer. Non, il n'y a pas d'excuse. Lorsque la mort se tient devant toi, tu es obligé de répondre, prends-moi. Dieu est plus grand que la mort. Quand Jésus a tellement qu'il est il y a tombe, il y a Lazare. Lorsque Jésus s'était levé devant la tombe de Lazare, la mort a tremblé. Koufa lengaki. J'ai dit la mort a tremblé. Nalobi koufa alengaki. Jésus était là. Oh, regardez. Oh my God. Oh mon Dieu. Nalobi bien Jésus a temi liboso ya tombe. Je vous dis bien que Jésus s'est levé devant la tombe, la loi. Et lobi. Dit, lorsqu'une personne meurt, vous savez, lorsqu'une personne décède, il ne se trouve plus sous notre loi naturelle. Le médecin, il voit maintenant la personne qui est en train de partir, il va essayer de le réanimer. Après, lorsque nous regardons ce petit écran, la ligne,
Le médecin ne peut plus rien faire, il va enlever les gants et puis partir. Parce qu'il s'est dit qu'il a déjà franchi la ligne pour passer de l'autre côté. Est-ce qu'une personne m'écoute? Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'une personne m'écoute? Loi mon côté. Aucune loi. Ne sera au-dessus de la loi de Dieu. Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare. Loi. La loi. Et le Bible, j'ai dit que ça a été fait à Poli, mais tant qu'il y a Télémi, à l'obin à Lazare, Bima. La loi dit que lorsqu'une personne meurt, qu'on a enterré un même pourri, ne peut plus sortir. Mais lorsque lui s'est tenu devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare, sors. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que ce n'est pas un sujet de joie? Ça doit être un sujet de joie parce qu'il y a une personne qui est au-dessus de loi qui pèse sur nous. Et cette personne-là a piri au piringa. Et cette personne-là est ton intime et mon intime. Alléluia. Dieu est vivant. Il a rencontré un cercueil. Il y avait un jeune qui était mort. Il y avait des personnes qui pleuraient. Il a brisé cette loi. Il a dit à cette femme, ne pleure plus. Je vais changer la situation. Laisse que le Seigneur change la situation de ta vie. Que le Seigneur change la chose qui te fait pleurer. Que le Seigneur mette l'adoration dans ta bouche. Qu'il puisse enlever la lamentation dans ta vie. Qu'il puisse en faire entrer le bruit dans ta maison. La joie dans ta vie. Est-ce qu'une personne m'a entendu? Il est moko. Lui-même, le jour il est mort, tout le monde a dit, oh, c'est fini. Même le diable n'est pas le bien. Même le diable se disait, c'est fini. Ma belle trembla. Et pourtant la terre a tremblé. Le soleil, éclipse, a fait une éclipse. Mais le troisième jour, Mais le troisième jour, très tôt le matin, il a brisé cette loi. Il est sorti. Que ce Seigneur la brise toute loi qui t'attache. Je dis que le Seigneur brise toute loi qui t'attache. Cette loi qui dit si tu ne prends pas ce médicament, tu ne verras pas ceci. Que le Seigneur brise cette loi. Alléluia. Dieu est vivant. Des années ici en Europe sans titre de séjour. Parce qu'il y a une loi qui t'a condamné. Qu'il brise cette loi. En 2016, okumapé européen net ngai mozwa mo couleur nanga muke. Qu'en 2016 que tu deviennes européenne comme moi, que tu prennes aussi ma couleur un peu. Alléluia. Dieu est vivant. Boyete. N'est-ce pas? Tout arbre, tout animal, toute créature, devant le Seigneur, doit répondre selon la pensée de Dieu. Et maintenant, moi, je dis 2016, nous devons aussi répondre auprès de Dieu ce qui est sa joie. Alléluia. Dieu est vivant. Nous devons le réjouir. Fête de l'Éternel. Salut à Yahweh. La version là n'est pas du tout quoi. Ces versets là, c'est vraiment. Fête de l'Éternel. Savourer. Fête de l'Éternel. Il te donnera. 2016. Si Dieu s'élève devant toi. Faut esprit na yo et ba linginin. Il faut que ton esprit sache qu'est-ce qu'il veut. Cette femme qui accouche d'un bébé, dès que l'enfant sort, on le place sur la mamelle de sa mère. La bouche du bébé cherchera la mamelle. Mais le bébé, dès qu'il naît, directement, il prend cette direction.
Que toute femme stérile ici présente m'écoute. Chaque matin, touche les tétons de tes mamans. Dis ceci, Seigneur, si tu avais créé ce sein, tu n'avais pas commis une erreur. Il faut qu'il y ait un bébé pour téter ça. Dis bébé. Mais comment moi na wana le razobotama mon connaît direction ya libele. Mais comment expliquer ce bébé qui naît à peine directement sa bouche envers la direction de sein. Abotabinango. Il est né avec cette pensée. Mais biso to botami katina Yesu. Nous qui sommes nés en Jésus. L'esprit de Dieu Isa katina biso. L'esprit de Dieu se trouve en nous. Nous avons la pensée de Christ. La Bible nous dit, si l'esprit du Père est en nous, nous avons la pensée du Christ. Est-ce qu'une personne m'écoute ici? Abraham. La Bible nous dit qu'il a vu trois hommes passer. Mais comment est-ce qu'il a eu la pensée de les appeler? Qu'est-ce qui a poussé Abraham à les appeler? En lui. L'esprit du Créateur. Il avait en lui un sens dans le domaine spirituel pour comprendre qui sont ceux-là. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a un peu de temps. 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 Voilà, tu vas voir certaines personnes, Jésus prend un corps d'un clochard, il vient vers toi pour te demander à manger et tu dis, ah, quitte-la. Tu es sale, quitte-la. Tu es en train de chasser Jésus. Tu penses que Jésus va apparaître devant toi comment? Avec la barbe? Alléluia. Dieu est vivant. Il ne viendra pas avec cette apparence. En 2016, Dieu attend quelque chose venant de toi. À la place de maudire, il bénira. Est-ce que vous m'écoutez? Il est dit que ce n'était pas sa saison. Mais moi, je t'introduis dans ta saison. Pour que tu produises. Je t'introduis dans ta saison. Pour que tu produises. Je te fais entrer dans ta saison. Pour que tu produises. Pour que tu ne puisses pas prétexter que ce n'est pas ma saison. Mais je te l'ai dit déjà, l'année 2016, c'est ta saison. Alléluia. Dieu est vivant. Si tu feras que Dieu soit dans tes délices, écoute maintenant ce que Dieu fera pour toi. Ça, c'est ma deuxième partie. Et je vais finir par là pour que nous prions. Ouvre Malachie chapitre 3. Que tu écoutes ce que Dieu fera pour toi. Que tu apprennes ce que Dieu fera pour toi. Verset 16. Nous allons commencer par le verset 16. 18. Jusqu'au 18e verset. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas, qui ne le sert pas. Et vous verrez quoi? Vous verrez quoi? Vous verrez quoi? Entre, vous verrez la différence. Entre ceux qui servent Dieu. Et ceux qui ne le servent pas. Naba oyo bazosalela yete. Amen. Amen. Bible à l'obibwe.
La Bible dit ceci. Ceux qui craignent Dieu et ceux qui l'honorent. En 2016, Nzambe alingi yo ozanzete wana malingi amona fruit ya kobanga ye pe ya kohonorer. Toi tu es cet arbre là et Dieu veut voir le fruit de l'honorer et le fruit de le craindre. Nzamba kotelema liboso ya mutu moko moko na biso na 2016. Dieu se tiendra devant tout un chacun de nous en 2016. Nga na kotio na saison na yo po o produire o eko se presa Nzambe. Moi je t'introduis dans ta saison pour que tu produises ce qui plaira à Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Vous comprendre? Vous comprenez? C'est juste comme de paroles. Mais tant on a loba ki na fer wana kende. Kenu mona metse na yo. Mais lorsque j'avais déclaré à ses frères, va voir ton médecin. C'était juste de paroles, n'est-ce pas? Mais il est allé voir son médecin. L'histoire de sa vie a changé. Et l'histoire de sa vie a changé. Ce qui était impossible dans ma médecin est comme possible par là. Ce qui était impossible au médecin est devenu possible pour lui. Et moi je te dis. Yokanga frère. Écoute-moi frère et sœur. En 2016, je ne veux pas prier de manière à peu près. À peu près. Merci. Non. Non. En 2016. En 2016. Je veux. Comprendre que Nzambe aza Nzambe. Que tu comprennes que Dieu est Dieu. Et que rien n'est impossible à lui. Et t'es là qu'on moko t'es à passer pas naïe. Et que Nzambe ako sale langai ona ko zalango bo senga. Et que Dieu fera pour moi ce que j'ai besoin. Mais avant sale la yo ango. Mais avant qu'il puisse faire cela. Alobi. Il dit. Faut bangaye. Tu dois le craindre. Et honorer. Tu dois l'honorer. Il va bénir, pardon, beaucoup de gens de cette église de ce temps. L'église de temps et à temps. L'église de ce temps. Nous ne craignons pas Dieu. Dieu s'est éloigné de ces églises. Est-ce que vous m'écoutez? Ma vie à gauche droite. Trop de vie de gauche droite. Et ça quoi empêche Nzambe ça là? Empêche Dieu d'agir. Bible dans Ésaïe 59. Et la Bible dit dans Ésaïe 59, Nzambe akufa matoïté. Dieu n'est pas sourd. Akufa pe misouté. Et il n'est pas aveugle. Pour qu'il ne puisse pas te voir. Et il rajoute aussi que sa main n'est pas courte pour qu'il ne puisse pas te toucher. Mais il dit c'est non. Péchés, nos mâles, nos iniquités, et former barrière, forme une barrière qui empêche à Dieu de ne pas voir les hommes à cause de ce péché. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, tu sais, beaucoup de gens apportent cet évangile. Ils disent, nous nous trouvons dans le temps de la grâce. Mais nous sommes humains, nous avons la chair. Nzoto. Le corps, la chair. Tu as un esprit dans un corps. Osa molimo kati na nzoto. Même si ce corps-là est beau, joli, si on veut jeter ça, on le jettera. Est-ce qu'une personne m'écoute ici? Je m'adresse à une oreille pour que cette personne écoute. La vie. Seul le Christ peut nous la donner. Est-ce que vous m'écoutez? Sa main n'est pas courte pour opérer des miracles qui est impossible aux yeux des hommes. Le bon connaissant mon coup, c'était pour être salabi. Quand moi, oh yo et koki ko kamu sabato, oh bato ba koki ko salate. Moi, je ne veux pas que le Dieu de 2016 soit un Dieu d'à peu près. Je ne veux pas de cela. Je veux que nous puissions approcher, toucher l'église primitive. Est-ce qu'une personne m'a entendu? Père, aide-nous. Au nom de Jésus, aide-nous. Église, oui. Que cette église, je ne parle pas de l'ADV seulement, mais je parle du corps de Christ. Que nous puissions sortir de la distraction.
Dieu veut faire quelque chose en 2016. Il dit ce que lui va faire. Vos yeux n'ont pas encore vu ça. Les oreilles n'ont pas encore entendu ça. Ce que lui il fera. Il dit même cela n'est même pas monté dans ton cœur. Il dit qu'il est prêt de faire quelque chose. Ce que lui il fera. Lui donnera gloire. Vous savez que Dieu aime beaucoup la gloire. Mais parce que Asali nous pour la gloire. C'est parce qu'il a tout créé pour sa propre gloire. Gloire. Et la Bible dit qu'il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Ce qui sera un sujet de joie pour toi, ce sera pour lui une gloire. Alléluia. Dieu est vivant. En 2016, ceux qui le craindront et qui vont l'honorer, Dieu dit, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il fera quoi? Répondez bien. Qu'est-ce qu'il fera? Dieu fera quoi? Dieu nous guérira. Dieu nous guérira. Tu es guéri, mon frère. Obikinde komobali. Father, I give you glory. Père, je te donne la gloire. Tu ne seras plus opéré. Bako pasola ou lissoute. Parce que Jésus, poète Jésus, il a écouté ce que tu as déclaré dans ta bouche. Ayoki oyo uti koloba na monoko na yo. Il t'est guéri. Abikisio. Il guérit ton cœur. Abikisimo temanayo. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un là avec moi? Motomoko azali nangai.